les canailles, j'ai une hype. J'ai une hype, Léa. J'ai une hype, mes canailles. Les gars, mettez tous un like, abonnez-vous, faites pas les rats, les canailles. Claudio, Marquisio, Patty, Confunpers, Détonti, les gars, j'ai la tremblante, les gars, j'ai l'impression d'être un mal alpha, on va faire dans l'ordre, les canailles, on va tout regarder, on va faire dans l'ordre, désolé, je parle beaucoup, les gars, j'ai les frissons, les gars, j'ai une grinta, les gars, je suis excité, il doit y avoir plein d'autres choses aussi, donc on va regarder dans l'ordre, il y a le Patty Code que je ferai pour le peuple, parce que j'aime le peuple. Une équipe à 85, 86 et 88 pour le pack icône. Et vous pouvez avoir dans le pack icône, il est cumulé, il expire dans 1 jour et 23 heures. Gagner un pack contenant un joueur icône, Fulbers, Détonti ou Prime. Il y a Marquisio, les gars. Il demande une équipe à 83, 85, 86, 85, 87, 88, 89, 88. Oh là là, les gars, vous me direz sur EasySBC dès que vous savez le prix de Marquisio, s'il vous plaît. Merci les canailles. Il a double 4. Il a élevé. Il a une carte à 89. Tu peux te jouer milieu gauche, MDC. Merci l'Irican, c'est insane. Mode masterclass activé, bien sûr. Un gros GG à l'Irican pour son don. MDC, MG. Donc c'est pas mal de le mettre MG s'il ne rentre pas dans ton, tu sais, dans ton collectif. Ou tu peux le mettre MC, MDC. Donc c'est pas mal. 85 d'accel pour 83 de vitesse. 86 de placement offensif pour 80 de finition. Il a 93 de puissance de tir. 91 de tir de loin. Il a un body type Léan. Body type maigre. Donc c'est un pur milieu terrain, les gars. C'est pas un MDC ni un MOC. Il a une agilité, un équilibre, une belle réactivité et un bon calme. Il a des stats défensifs. Ce qu'il faut pour un MC, les gars. Il a des bonnes stats en tir. C'est vraiment le pur MC. Hein, parce qu'il a une puissance de tir à 93. Un tir de loin à 91. C'est plutôt pas mal pour un MC. Il a une bonne qualité de passe courte et de passe longue. Il a un calme à 88. La réactivité est bonne. Il a une bonne conduite de balle. Il a une belle carte. On va le comparer avec son autre carte surtout. Merci encore l'Irican. On va le comparer surtout avec son autre carte. Full Birthday les gars. Parce que... Il demande 8 équipes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence avec... Peut-être je me trompe, mes vicieuses. Hein. Je peux me tromper. En espérant qu'on peut comparer les cartes et qu'il n'y a pas un bug. Ouais, on peut. Ouais. Les gars, en SBC, il coûte combien, les gars? Marquisio, il coûte 1,3 million. Les gars, il prend... Les gars, il prend un up. En tir, c'est un plus 2. En vista, c'est un plus 1. En centre, précision, coup franc, passe courte, passe longue, c'est un plus 1. En agilité, équilibre, c'est qu'un plus 1. Les stats méta, c'est qu'un plus 1, les gars. Agilité, équilibre, vitesse. Calme, 87. Les gars, c'est à coup des... c'est que des plus 1. En défense, il prend un petit plus 2. Il y a les tots qui arrivent bientôt. Ça demande beaucoup de fodders. Moi, je vais le faire parce que j'ai plein de doublons, les gars. Mais les gars, s'il coûte 1,3 million sur EasySBC et que Marquisio, il était à 850, il va peut-être augmenter parce que la différence n'est pas exceptionnelle. Moi, ce que je vous conseille... Si vous avez beaucoup de fodders, le faire pour maximum 600 000 crédits. Vraiment, si vous avez beaucoup de fodders, mais c'est vraiment si t'es une série A. Vraiment si t'es une série A. Maximum le faire pour 600 000 crédits. Vraiment un grand maximum avec des fodders en plus. Sinon, les gars, ce que je vous conseille, c'est d'attendre. C'est d'attendre la Toti si vous êtes fan de Marquisio et prendre sa World Cup. Parce que pendant la Toti, il y aura tellement des cartes cheatées que sa World Cup ne coûtera presque plus rien. Ou elle coûtera largement moins cher d'ici quelques semaines. Donc... Moi, je trouve que à choisir, c'est mieux de ne pas faire le SBC si tu pars stratégiquement parlant et si tu penses au TOTS. Excusez-moi, j'ai dit la TOTI, je crois. Si tu penses au TOTS, stratégiquement parlant, les canailles, c'est mieux d'attendre. Personnellement, je vous le dis, c'est mieux d'attendre d'avoir un autre Marquisio et d'acheter Marquisio 88, surtout qu'il n'y a pas une grosse différence avec le 89. Après, les gars, à part s'il y a en étoile, même pas en étoile. Après, Stéphane de Marquisio, avec des fodders, fais-le pour 500 000, 600 000 crédits. Mais sinon, je trouve que ça fait cher pour 1,3 million. Oui, la TOTS plutôt. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Vous m'avez compris, c'est essentiel. Donc, un peu cher, Marquisio. Je ne déconseille pas niveau talent. Je le déconseille niveau prix. Je vais faire le pack icône après. Je regarde ce qu'il y a d'autres, les canailles. Ne soyez pas pressés. Je suis en train de tout regarder. Tac, tac, tac. On va voir les objectifs. En icône, est-ce qu'ils ont mis Raoul ou quoi? Non, il n'y a aucune icône. Hein. Il n'y a pas bon outil. Hein. Ça sortira demain, tout ça. Demain, après-demain. Bon, regardez, j'ai fait plein de SBC d'ailleurs. On va en objectif. Je crois que c'est Frank Lampard normalement en objectif. N'hésitez pas en tout cas, les gars, à mettre le petit pouce bleu, à liker. Ça ne mange pas de pain, les gars. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, les canailles. C'est gratuit, les gars. Merci à tous ceux qui pensent à s'abonner.
Donc, les gars, il y a Frank Lampard. Il y a Frank Lampard, c'est un peu comme Bergkamp. Donc, il faudra marquer 3 buts sur des tirs puissants avec un joueur anglais dans Clash Equipe au niveau semi-pro. Les gars, tirs puissants, c'est des tirs... c'est des zooms, là. L2-R2, chez moi, c'est L2-R2. Disputer 5 matchs dans Clash Equipe au niveau semi-pro minimum ou Rivals Sud Champions avec au moins 6 joueurs anglais parmi les titulaires. Et tu récupères Lampard 86. Donc, c'est un peu comme, c'est un peu le même délire que Bergkamp, mais avec Frank Lampard. Ouais, chez moi, c'est L2, L2. C'est, vous savez, c'est les power shoot. Peut-être chez vous, c'est R1, mais ça dépend. Moi, je joue avec les touches PES. Disputer 10 matchs dans classe équipe au niveau semi-pro minimum ou Rivals et Fut Champions avec au moins 6 joueurs anglais, dont Lampard. Donc, je signale que tu n'as pas besoin de 6 joueurs anglais plus Lampard. C'est 5 joueurs anglais plus Lampard, ce qui fait 6. T'as pas besoin de mettre 6 joueurs anglais et Lampard. Enfin, sinon, ça fait 7. Tu mets 5 joueurs anglais plus Lampard, ça fait 6, ça suffit. Voilà. Marquer et adresser une passe D avec Lampard titan des trophées 86 gènes dans 10 matchs clash équipe différents au niveau semi-pro avec Lampard. Donc, avec Lampard, dès que tu récupères Lampard, tu fais les défis qui est stipulé. Après, tu remportes... Remporter 15 matchs dans Clash Equipe au niveau semi-pro minimum ou Rivals Sud Champions avec au moins 6 joueurs anglais ou Lampard titan. Et après, tu débloques en faisant ce défi Lampard 90. Et avec le Lampard 90, il faudra disputer 10 matchs dans Clash Equipe au niveau semi-pro minimum avec au moins 6 joueurs anglais, donc Lampard titan, que vous viendrez de récupérer. Marquer et adresser une passe D avec Lampard titan 90 de gêne dans 20 Clash Equipe différents au niveau semi-pro. Et remporter 15 matchs dans Clash Equipe au niveau semi-pro, mini-bob ou Rivals avec au moins 6 joueurs anglais. Donc c'est la merde, quoi. C'est... Les gars, c'est comme Bergkamp. Ça va être du triardage. On va avoir sa carte maintenant. Mais c'est le même délire que Bergkamp, quoi. Après, tu peux le jouer MDCM aussi. Après, il a 3 GT, 4 de mauvais pieds à ce stade du jeu, quand même. Ils auraient pu lui mettre un 4-4. Après, il a 84 d'Axel pour 80 de vitesse. Il a une très bonne finition, une bonne puissance de tir, un tir de loin incroyable. Mais c'est un pur MC, les gars. Après, il n'a pas une grosse agilité, une grosse équilibre. Il a une bonne réactivité, il a un bon calme. Ils auraient pu lui up un peu l'agilité, l'équilibre. Il n'a pas des grosses stats défensives. Donc, vous allez me poser la question, c'est mieux Roy Keane ou Lampard? Roy Keane est plus complet que Lampard. Il sait défendre et il a des stats quand même un peu offensivement. Donc, Roy Keane SBC, pour moi, est largement supérieur à Lampard. Et dans un profil en MDC, pour moi, Gattuso est meilleur que Lampard parce que Lampard, c'est un pur MC. Après, c'est une carte sympathique, mais je la trouve moins fun que Bergkamp, par contre. Donc, oui, après, je vous conseille de le faire. C'est une carte sympa. Ça reste Lampard. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire et vous me direz en commentaire quand vous verrez la vidéo, les canailles. Les gars, il y a un bug dans le jeu. C'est atroce. Donc ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y avait, non, les gars? Il y a eu un bug. Coupe Titan, dès que je vais là, il y a un bug, les gars. Trop chelou, les gars. Je voulais vous montrer disputer un match dans n'importe quel mode fut. Bref. Je sais pas, il y a un bug dès que je vais là, les gars. Donc, bref. T'as une tentative quotidienne. Tentative quotidienne, les canailles. Donc, plonger au cœur de l'action avec l'objectif tentative quotidien. Cet objectif peut être repéré une fois toutes les 24 heures jusqu'au 23 avril. Disputer 3 matchs clash équipe au niveau semi-pro minimum ou Rivals. Et vous récupérez des bonus crédits, des choses comme ça. Donc, ouais. Et après, je sais pas, les gars, il y a un bug. Je peux pas aller dans les défis. Trop bizarre. Quitte et reviens. Mais non, mais je sais pas, les gars, c'est le jeu, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, les gars, on peut pas, les gars. Quitter, reviens. Il y a un bug, les gars. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le jeu, les gars. Quitter, reviens. Je peux pas, désolé, les gars. De toute façon, voilà, il y a quelques petits objectifs, des choses. L'essentiel, c'est que j'ai pu vous montrer Lampard. Je pense qu'il y a tellement de gens sur le jeu. Les serveurs bug, les gars. Donc, soyez patients, les gars. Il y a des problèmes de serveur. Là, je vais vous montrer la team 2. Donc voilà, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.